Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles davantage dans leurs relations? Qu'il s'agisse d'une vie, d'une carrière ou d'une relation, il y a toujours une personne loyale et sincère, gentille, qui souffre le plus de l'amour. Mais pourquoi? Principalement parce que les gens bien ont tendance à s'investir énormément dans leurs relations, et tout cela sans rien attendre en retour. De plus, c'est leur loyauté qui permet à une autre personne de la tromper, la faisant souffrir et de vivre dans la douleur. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles davantage dans leurs relations ou dans la vie? Voici les raisons. Numéro 1. Une bonne personne leur donne plus de chances de le faire. L'une des principales raisons pour lesquelles les bonnes personnes souffrent le plus de l'amour est qu'elles donnent plus de chances aux autres, sciemment ou non. Les bonnes personnes sont vulnérables dans les relations. Parce qu'elles se laissent tout aller sans rien attendre et sans douter du tout de leur partenaire. C'est pourquoi ces personnes sont toujours blessées et trompées à la fin. Une trop grande pureté permet aux partenaires de briser leur confiance et de les laisser souffrir très facilement. Lorsqu'un partenaire se donne à fond dans une relation, l'autre partenaire le perçoit comme une faiblesse au lieu de le respecter. Pour eux, c'est comme si une personne gentille avait le plus besoin de la relation. Ces mauvaises personnes essaient toujours de profiter de la bonne personne et elles finissent par y arriver. Numéro 2. La bonne personne est toujours disponible. Lorsque vous êtes trop gentil et que vous vous donnez trop aux autres, chaque fois qu'ils ont besoin de vous, vous finissez par être considéré comme acquis. C'est certain. Il ne fait aucun doute que la bonne personne se préoccupe de sa relation et de ses sentiments pour les autres. Mais sa nature trop disponible pour son partenaire, ses amis et n'importe qui d'autre fait qu'elle perd peu à peu le respect qu'on lui porte. Après avoir vu quelqu'un se donner trop dans la relation, les autres ont l'occasion de le blesser et les bonnes personnes souffrent davantage dans leur relation. De plus, le mauvais pense qu'il est de la responsabilité du bon de sauver sa relation. Numéro 3. Les mauvaises personnes profitent toujours d'un comportement agréable. Qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une relation sérieuse, les bonnes personnes souffrent parce qu'elles donnent trop. En raison de leurs véritables sentiments et de leur respect pour rester gentil avec tout le monde, l'autre personne profite toujours de leur bon comportement. Il est courant de constater que c'est toujours la personne loyale qui supporte le fardeau du maintien d'une relation à la fin. L'autre personne croit qu'en étant un partenaire ou un ami, elle fait une faveur à la bonne personne. Même en cas de comportement négligent et blessant de la part d'une autre personne, la bonne personne considère qu'il s'agit de sa propre erreur ou pardonne facilement aux autres. C'est pourquoi la bonne personne souffre le plus de l'amour. Surtout lorsqu'elle ne voit pas de respect et d'attention pour ce qu'elle a fait. Numéro 4. Les bonnes personnes souffrent le plus à cause de leur loyauté. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? Dans une relation, la loyauté est attendue des deux côtés. Si l'un d'entre eux devient plus ou moins loyal, la relation échouera. Une relation peut également souffrir d'une loyauté excessive qui dépasse les limites, tout comme une disponibilité excessive lui porte préjudice. Les bonnes personnes restent loyales dans la relation, mais d'autres ne le sont pas. En matière de loyauté, la bonne personne reste avec un partenaire et a tendance à discuter ouvertement tout en faisant confiance à son partenaire. Mais une autre personne peut ne pas avoir de valeur, de respect ou ne pas se préoccuper de la manière dont les autres se sentent respectés et aimés de la même manière. En faisant trop confiance et en étant fidèle aux autres, ces qualités des bonnes personnes conduisent les mauvaises personnes à faire des choses blessantes. Numéro 5. Parce que leurs sentiments sont réels. Comme nous l'avons déjà dit, les bonnes personnes accordent de la valeur à la relation et respectent tous ceux qui font partie de leur vie. La bonne personne fait tout pour sauver une relation et peu importe à quel point la situation est difficile. Les bonnes personnes ont l'habitude de négliger les défauts et les erreurs de leurs partenaires.
Son partenaire est alors tenté de répéter les mêmes erreurs au lieu de respecter les sentiments de son partenaire et la confiance qu'il a en lui. Sachant que cette personne ne prendra pas de décisions difficiles à leur égard, ils finissent par faire des choses qui mettent même à l'épreuve la patience de la bonne personne. Comme une brute, ils font du mal aux autres et voient les bonnes personnes souffrir physiquement et émotionnellement. En résumé, ce sont les bonnes personnes qui souffrent le plus parce qu'elles sont sincères dans leurs sentiments et ne font jamais rien pour blesser les autres. Numéro 6. La bonne personne essaie toujours de rester gentille et aimable. Pour la bonne personne, une relation est une responsabilité. Elle met tout en œuvre pour satisfaire les besoins et les désirs de l'autre. Pour maintenir la relation ou la sauver, il y a toujours la bonne personne qui fait un effort supplémentaire et unique. Une mauvaise personne n'est pas aussi sérieuse dans sa relation ou n'a pas de respect pour les sentiments des autres. C'est la réalité des relations dans la plupart des cas. L'un donne trop, tandis que l'autre prend tout ce qu'il peut. Numéro 7. Les bonnes personnes ont peur de perdre quelqu'un. Dans une relation, la bonne personne est celle qui a peur de perdre son partenaire. Elle se soucie beaucoup de chaque personne dans sa vie. Et l'autre le sait très bien, surtout lorsqu'il s'agit de leur première relation. Par conséquent, une mauvaise personne a tendance à devenir plus négligeable et à blesser les bonnes personnes, sachant que quoi qu'elle fasse, la bonne personne ne la quittera jamais. Ces bonnes personnes souffrent parce qu'elles essaient de prouver leur valeur à la relation chaque jour. Numéro 8. Les mauvaises personnes sont heureuses de voir les bonnes personnes souffrir. Pourquoi les bonnes personnes sont-elles toujours blessées? Une personne bienveillante a tendance à faire facilement confiance à n'importe qui. Cela donne aux mauvaises personnes l'occasion de les tromper et de les blesser si facilement. Dans une relation, les personnes bienveillantes pardonnent toujours les erreurs de leur partenaire et s'accommodent facilement à toutes les choses irrespectueuses que les personnes négatives leur font subir, parce qu'elles ont beaucoup de respect et d'attention pour tout ce qui les entoure. La bonne personne a un cœur tendre pour pardonner à son partenaire quoi qu'il arrive. Mais les autres n'ont pas ce cœur. Ils oublient et pardonnent facilement. En fait, ils aiment que les bonnes personnes souffrent le plus parce que cela leur donne un sentiment de bien-être intérieur. Numéro 9. Les bonnes personnes semblent ennuyeuses aux yeux des autres. Une bonne personne qui se consacre vraiment à sa relation reste loyale et responsable. Et l'autre prend cela comme une chose démodée, un peu ennuyeuse et moins stimulante dans la relation. Pour les mauvaises personnes, la relation n'est pas une responsabilité. C'est un jeu amusant dont elles veulent profiter. De plus, les bonnes personnes leur paraissent souvent ennuyeuses et c'est pourquoi elles les trompent souvent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur relation soit toujours intéressante. Ils veulent du plaisir, du divertissement et tout le reste plutôt que des valeurs de vie. Si une autre personne ne peut pas répondre à leurs désirs et à leurs attentes, cela leur semble ennuyeux. En conséquence, ils forcent plus souvent les bonnes personnes à se changer et à se comporter comme ils l'attendent. Le fait d'avoir un partenaire trop exigeant et d'être incapable de répondre à ses attentes finit par mettre la pression sur les bonnes personnes et les fait souffrir de l'amour. Et enfin, numéro 10, ils pensent qu'ils font une énorme faveur aux bonnes personnes. Une relation n'a pas besoin d'être entretenue par une seule personne. Les deux parties doivent se sentir concernées et s'apprécier mutuellement. C'est ce qui fait la perfection d'une relation. Il arrive parfois qu'une personne pense qu'elle favorise son partenaire parce qu'elle l'a laissé se rapprocher. La raison ultime pour laquelle les bonnes personnes souffrent dans leur relation est qu'elles accordent le plus d'importance aux relations. Oui, même plus que les autres. Les bonnes personnes donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes dans la relation sans rien attendre en retour. Par conséquent, les mauvaises personnes dans les relations tirent le plus grand avantage de cette nature d'un bon partenaire. Mais lorsqu'une toxicité atteint ce niveau, la bonne personne se retrouve avec des regrets et souffre de l'amour seul.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu.